Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur Transportiveur 2 et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Et comme vous le voyez, on se retrouve donc dans le secteur de Vienne. Donc pourquoi Vienne? Bah parce que c'est là qu'on a notre ligne de train de nuit qui partira du coup en direction de Toulouse. Et concernant cette ligne, du coup déjà plusieurs nouvelles. J'ai rec une vidéo en fait où je mettais en place le train de nuit, mais le problème étant que le rec de cette vidéo en fait s'est arrêté à un moment que je ne connais pas, puisque j'avais plus suffisamment de stockage sur mon PC, donc voilà, c'est un petit peu embêtant. C'est pour ça du coup que je vais entre guillemets refaire la vidéo, bien que la ligne ait été créée, hein. Mais du coup voilà. C'est pour ça que du coup je repars ici de Vienne pour cette ligne de train nuit. Donc concrètement la ligne elle fait du coup Vienne-Toulouse. Alors on l'avait déjà mise en place. Enfin du coup je l'avais fait dans la vidéo hein, où j'avais aussi j'en avais profité pour construire la gare de Toulouse en détail. Donc on va y venir dans un instant. J'aimerais simplement vous montrer du coup les compositions en termes de trains que j'ai pu mettre sur la ligne. Donc voilà la ligne. Donc du coup j'ai mis des trains nuit. D'ailleurs ici il y en a peut-être un. Donc j'en ai mis deux en complément en fait des trains déjà actuels que j'avais en place. Donc il faut voir là le train qui est en train de démarrer de la gare de Vienne. Est-ce que c'est peut-être un train nuit ou non, ça c'est un corail. Et écoutez, vous savez quoi, on va partir en cabine avec ce train-là et puis on croisera tout au long de notre trajet, du coup, les fameux trains de nuit dont je vous parle, avec, du coup, les voitures Corail Lunéa. Et de toute façon, dans la suite de cette vidéo, on va mettre en place une seconde ligne de train de nuit qui fera, du coup, Vienne jusqu'à Nice en direct. Du coup, allez, on est parti. Donc là, on quitte la ville de Vienne avec cette gare que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc voilà, on quitte en direction de Libourne, le premier arrêt du coup du train. C'est un petit peu en fait le train express qui fait nord-sud sur la map. Voilà, c'est vraiment la ligne express. Du coup, on quitte doucement à la gare de Vienne à 30 km/h. Et ensuite, on va pouvoir du coup rejoindre Libourne. Et puis ensuite, du coup, Bordeaux, Valenciennes et Toulouse, le terminus du train pour le moment, parce qu'en fait j'hésite à faire terminer au final la ligne à Tarbes, je sais pas trop, je vais voir à vrai dire, j'ai pas encore vraiment pris ma décision sur est-ce que je la fais encore continuer la ligne ou non. Du coup allez, on est parti, donc on croise le petit train de marchandises. Donc là en fait je vous fais le cabrail de la ligne, comme ça vous verrez, on va aller doucement au niveau du bout de la ligne, puisque voilà, j'avais fait le cabrail dans la dernière vidéo, mais vu que la vidéo s'arrêtait en fait en plein milieu, je trouvais pas ça pertinent de la poster. C'est pour ça que je préfère reprendre dans cette vidéo. Je pense que voilà, c'est pas trop gênant. Et puis en plus, comme ça, vous faites un cabrail. Vous qui aimez tant les cabrails, ça devrait vous faire plutôt plaisir. Voilà, on démarre. On est parti. Donc la petite portion à 90 km/h, ensuite on pourra accélérer à 120 km/h. Donc là la ville de Culose hein, qui s'est un petit peu développée d'ailleurs hein, depuis qu'on l'avait mise en place il y a de cela pas mal d'épisodes, puisqu'on l'avait fait relativement tôt dans le let's play. Mais du coup ouais, la ville de Culose qui s'est vraiment pas mal développée hein, on traverse un petit peu les immeubles. D'ailleurs mon jeu, il est en x1. Du coup ouais, la ville de Culose qui est juste là avec la gare, du coup il y a quelques voyageurs, la ligne de bus qui traverse Culose qui permet de relier du coup Le Havre à Vienne. Vous voyez ici avec les arrêts et là les petits arrêts dans Le Havre. D'ailleurs Le Havre qui s'est également bien développé hein. Là on a vraiment des villes qui sont bien développées, donc ça c'est plutôt cool, ça fait plaisir à voir. Allez, on reprend place à bord de notre TER. Puisque on va doucement pouvoir commencer à atteindre la vitesse de 160 km/h. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà, avec le merveilleux bruit des corails, là on traverse la nationale où il y a quelques voitures du coup qui attendent.
Et on accélère donc doucement pour atteindre les 140, enfin 160 km/h. Voilà, les 160 vitesse max de la ligne. On aura l'occasion de les réatteindre, je pense, tout à l'heure entre Valenciennes et Toulouse. Donc là à droite, le triage hein, du train de marchandises qu'on a croisé tout à l'heure. Là, on croise, bah, justement, on croise une fameuse composition de train de nuit que j'ai mis en place. Donc ça fait plaisir. D'ailleurs. Je pense que j'avais vu une problématique par rapport au train de nuit, c'est qu'en fait, vu que forcément c'est des voitures couchettes, il y a moins de place dedans. Donc en fait, pour la même longueur, les trains ont beaucoup moins de capacité. Du coup, il va peut-être falloir que je modifie en fait les compositions pour faire des trains plus longs, sachant qu'on a des quais à chaque gare. Chaque gare a un quai de 320 mètres, donc c'est des quais vraiment assez longs hein, pour accueillir des grosses compositions. Donc ouais, il faudrait que je voie en fait pour allonger du coup la longueur de mes trains. Voilà, donc là on est en gare de Libourne où une part des passagers descendent. Quand même du monde qui est descendu. Hein. Il y a quand même ouais, quasi 80 personnes qui sont descendues et on repart en direction de Bordeaux. Enfin là à Libourne les gens qui sont montés c'est plus des gens qui vont vers d'autres gares après Bordeaux. Parce que les gens qui font juste Libourne-Bordeaux ils empruntent l'autre ligne là avec les ZTR hein, qu'on voit à droite. Voilà, ils empruntent ça. Ils empruntent plus cette ligne-là pour aller à Bordeaux. Là, ça, c'est plus des gens qui. Ceux qui sont montés à Libourne qui vont aller en direction de Valenciennes ou de Toulouse, carrément. Voilà, donc nous, du coup, on repart. Donc, bon, là, la ligne est de nouveau limitée à 160, mais on n'aura pas l'occasion d'atteindre les 160 puisque la distance est bien trop faible entre Libourne et Bordeaux. Un petit peu comme dans la vraie vie, hein, au final, hein, c'est deux grosses villes assez proches. Donc, le petit tunnel qui va permettre de déboucher sur l'agglomération bordelaise. Là à droite, la gare de marchandises en hauteur. Voilà, et là, la ville de Bordeaux avec ses gros buildings, ses gros bâtiments. Et nous, du coup, bah, on arrive tranquillement en gare au milieu de tout ça. Et on peut voir qu'on a un quai bien rempli. Donc là à droite on croise une autre composition de train de nuit que j'ai mise en place du coup. La deuxième compo Lunéa. Voilà donc la gare de Bordeaux-Saint-Jean. Voilà donc là il y a quelques personnes qui descendent. Et je pense que le train va repartir bien complet. Voilà on repart bien au complet. Donc ouais, il y a encore beaucoup de monde sur le quai, hein. Il va falloir rajouter des trains. Il y a du monde sur la ligne, il va falloir rajouter des trains. Donc là, on va repartir du coup en direction. Le prochain arrêt, c'est Valenciennes. Voilà, on repart. Donc Bordeaux avec à droite la bifurcation pour aller en direction de Nice, Brignoles puis Nice avec la gare de Senon. Là, le petit triangle du coup pour la voie qui arrive de Nice et qui va en direction de Valenciennes. Et nous, nos deux voies du coup qui vont en direction de Valenciennes. Donc là, voilà, on raccorde dans quelques instants avec la voie du coup qui arrive de Nice. Hop, le tunnel pour traverser la montagne.
et débouchait du coup derrière sur Valenciennes. C'est quand même une map, mine de rien, où il y a beaucoup de tunnels, hein. Il y a pas mal de tunnels sur la map. C'est vrai que j'ai jamais fait gaffe, mais en même temps, il y a quand même beaucoup de relief, beaucoup de grosses montagnes. Donc, il y a plein de petits tunnels. Oula, il y avait un gros rocher sur le bord de la voie. Et notamment ce gros tunnel-là. Bordeaux est entouré par les tunnels. Peu importe d'où on arrive, on passe par un tunnel. Sauf avec le RER. Du coup, là, on va en direction de Valenciennes. On voit la petite ville de Valenciennes juste devant, avec des bâtiments de taille plutôt moyenne pour l'instant. C'est une petite ville tranquille, avec sa gare, avec son quai central, ce qui permet de changer un petit peu des gares qu'on a l'habitude de voir. On peut voir qu'il y a beaucoup de gens qui attendent pour aller en direction du coup de Bordeaux. Voilà, donc nous on arrive à cette gare avec le quai central, avec l'arrêt de bus pareil où il y a énormément de monde. Et il y a quelques personnes, une petite poignée de personnes qui attendent pour aller en direction de Toulouse. Voilà, donc là je pense qu'il y a la majorité des gens qui vont descendre ici. Ouais, il y a plus de 100 personnes qui sont descendues ici et 3-4 qui remontent. Et on repart du coup en direction de Toulouse. Donc ça, c'est sur la ligne qu'on a construite lors de la dernière vidéo. Donc on avait construit uniquement la ligne et pas la gare de Toulouse, hein, il me semble. Donc voilà, vous allez découvrir la gare de Toulouse lorsqu'on va arriver. Puis je vais vous la montrer en plus en détail juste après. Et de toute façon, il va falloir y mettre quelques lignes de bus, etc. également. Donc on va s'atteler à faire ça dans cette vidéo. Donc là, on part de la gare de Vienne. Il y a un petit peu de... Enfin de Vienne, de Valenciennes. Je me suis mélangé. Donc voilà, un petit peu de montée, un petit peu de relief, hein, une ligne assez accidentée. On croise le Courail Bourgogne. Voilà, donc là c'est une ligne ouais, quand même assez accidentée hein, entre Valenciennes et Toulouse. Donc là on monte pour venir sur la montagne. Les deux voies vont se raccorder petit à petit. Ensuite on va redescendre derrière. Voilà, on redescend. Donc là, ça descend pleine balle. Au moins, on peut atteindre les 160 assez facilement. Avec ce pont, du coup, en descente. Derrière de la ligne droite. Voilà, une grande ligne droite. Là, encore une fois, un tunnel pour passer sous un relief pour éviter de... d'avoir à remonter ou mettre un pont. Voilà, je préfère mettre le tunnel, c'est ce qui me semblait le plus pertinent. De toute façon, on l'avait fait dans la dernière vidéo. Et puis là, on va entamer une courbe et doucement, du coup, arriver sur Toulouse. Ah, c'est pas tout de suite, c'est la courbe juste après. Donc là, voilà, on tourne juste un petit peu en fait pour éviter l'eau, tout simplement. Vous voyez, on a eu le temps d'atteindre les 160. Hein. On fait une belle partie à 160 quand même. Il y a une assez grosse distance entre les deux gares, donc ça, c'est cool. Je suis content d'avoir un intercité qui roule bien à 160, comme ça c'était vraiment l'objectif d'avoir des grandes distances où c'est un train de nuit entre les gares. Et voilà, et là on tourne et du coup doucement on voit la ville de Toulouse qui se dessine devant nous et bientôt bah, du coup la gare qui va se dessiner. Donc voilà, ville de Toulouse pour l'instant qui est plutôt petite et qui a pour objectif hein, d'être une grande ville. Et donc là on ralentit, voilà on va ralentir puisque bah, les aiguillages à Toulouse ils sont à 60, sachant que nous on prend là la voie à droite. Et voilà, donc là vous voyez, vous découvrez la gare de Toulouse avec son petit dépôt là qui est relié à rien. Et voilà, donc on arrive à la gare de Toulouse, on arrive sur la voie numéro 7. Et voilà, on est arrivé du coup au terminus. Donc on s'arrête juste avant l'aiguillage. On s'arrête pas, vous voyez, sur la totalité du quai. Donc là, c'est vrai que bon, c'est un peu particulier. Donc le train rentre pile poil à quai. Donc du coup, la gare de Toulouse, c'était quoi la volonté pour cette gare? Donc, vous voyez à peu près comment elle est placée par rapport à la ville, par rapport aux routes. Voilà, pour ce qui est des routes, comme ça je vous montre déjà en détail.
Donc, c'était quoi la volonté de cette gare? C'était en fait d'avoir une gare dans le style de la gare de Toulouse, mais dans la vraie vie. C'est-à-dire, du coup, une gare, vous voyez, avec des quais au milieu qui sont sectionnés par des aiguillages. Donc, c'est-à-dire que le quai, en fait, est divisé en deux parties. Donc, on peut avoir un train qui arrive de chaque côté sur la même longueur de quai. Donc, du coup, on a hall 1 ici à droite avec un escalier qui sert à desservir ce côté de la gare. Et ici, on a du coup le hall 2 qui sert à desservir ce côté de la gare. Seulement, on a ici, on a ce quai-là qui est très très long, qui fait 400 mètres. Donc, un long quai de 400 mètres si jamais on doit accueillir TGV ou je sais pas qui. Ensuite, on a aussi là un quai complet qui lui fait, il fait 240 mètres. Voilà. Et là, à côté, une voie de passage en fait qui est pas réellement un quai au final. Elle est à côté, mais c'est pas vraiment un quai. Et ensuite, du coup, on a ce quai-là qui fait 240 mètres. Faut voir la longueur du train. Le train fait... Ah non, qui fait 200 mètres, pardon. 1, 2, 3, 4, 5... Oui, qui fait 200 mètres, donc ça veut dire celui-ci fait aussi 200 mètres. Et ensuite, là, chaque quai ici, donc lui, ils font 160 mètres. Voilà ce qui est donc pour la longueur des quais de la gare de Toulouse. Et puis ce qui est tout simplement pour la gare de Toulouse. Alors du coup, je vous ai dit que il fallait que j'allonge mes trains de nuit. Sauf que si j'allonge mes trains de nuit, ça veut dire qu'il faut des quais plus longs. Ça veut dire que il faut pas un train qui s'arrête du coup juste avant une aiguille. Vous voyez, il faut que le train s'arrête sur la totalité du quai. Donc ça veut dire que si je fais ça, sachant que ici j'ai un très long quai, j'avais volontairement en fait sifflé un très long quai, mais ça n'avait pas pour ambition d'accueillir les trains nuit à l'origine. Du coup, je ne sais pas si je mets les trains nuit sur le très long quai, parce que du coup je me tâte toujours à faire une ligne à grande vitesse, une ligne un petit peu de TGV. J'ai même pensé un temps faire un Eurostar, vous voyez, qui partirait de Toulouse, et là un tunnel sous l'eau, voilà, qui commence à peu près par là. Un grand tunnel sous l'eau jusque Valenciennes. Ensuite, à Valenciennes, on remonte à la surface. Là, on parcourt tout sur la terre. Voilà, les bornes, hop, hop, on passe. Là, on passe et on viendrait se raccorder encore une fois par ici. Donc voilà, j'hésitais à mettre en place un espèce d'Eurostar. Alors, pour l'instant, ma décision n'est pas prise. Du coup, on va temporairement, du coup, quand même changer le quai de l'Intercité. On va le mettre quai numéro 9. Voilà. Et normalement, par rapport aux aiguillages, ça devrait pas non plus poser trop de problèmes. Non, il n'y a pas de problème du tout. Donc parfait. On va laisser ce train repartir. Bon, du coup, il va aller, je parie, sur l'autre quai. Et moi, c'est pas ce que je veux. Voilà, repart en direction de Valenciennes, ce sera très bien. Du coup, allonger les compositions actuelles. Donc, parce que vous voyez, si on prend mon plus long train de nuit, 111 et lui, 96 personnes. Vous voyez, c'est pas non plus beaucoup, beaucoup, hein. Sachant que lui prend 125 et que lui par exemple prend 184, vous voyez, c'est déjà beaucoup plus. Donc là, tu pars avec les portes ouvertes, mon grand. Par contre, hein, je sais pas si t'as remarqué qu'il y avait un petit problème là de porte. Enfin bon, du coup, oui, allonger la longueur de mes trains et potentiellement. En fait, je pense pas qu'il faille rajouter de train, je pense que c'est juste une question de longueur. Donc je veux aussi relier là cette voie qui est reliée à rien pour l'instant. J'aimerais bien la relier à quelque chose. Parfait. Du coup, toi, t'es relié, nickel. Mais on va pas sortir un train là. Est-ce qu'on prend nos compositions actuelles? Ouais, allez, on va prendre les compos actuelles. Donc. On va imaginer. Je crois que j'avais déjà fait une compo que. Ah zut, je voulais pas du tout dupliquer ça. Je voulais juste modifier. Je sais pas si c'est toi ou pas. En fait, j'essaye de m'inspirer un petit peu des compositions qui existent dans la vraie vie. Par rapport aux vrais intercités de nuit qui existent en France. Et donc de m'en inspirer. Par exemple. Donc ça, du coup, c'est le mauvais exemple. Par exemple, cette composition, vous voyez, c'est une composition. On a le train nuit qui fait la tour de Carole, Lourdes et Tarbes, du coup.
Qui va aussi jusque. Donc du coup il manque la partie Cerbère. Donc là vous voyez on a la partie qui va à la tour de Carole à l'avant. 1, 2, 3, donc une voiture couchette première, une voiture couchette seconde et une voiture place assise seconde. La partie qui va à Lourdes en s'arrêtant à Tarbes avec une voiture première, deux secondes et une place assise. Et du coup il faudrait rajouter la partie Cerbère. Et la partie Cerbère est composée du coup d'une voiture place assise. Donc on va mettre une voiture place assise. Laquelle on va mettre? On va mettre. Est-ce qu'on met une seconde classe ou une première classe? Allez. Voilà. Une seconde. Et on va mettre du coup les Corail Lunéa pour la partie Cerbère. Donc on aurait de la seconde. Donc du coup, il faudrait plus faire comme ça. 1, 2, 3. Tac et tac. Donc toi, on va te mettre du coup là. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7 avec deux premières. Voilà. Et ça fait, par contre, le problème, c'est que ça fait un train de 387 mètres. En fait, ça fait un train de 14 voitures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ouais, c'est ça. Donc c'est trop grand pour le jeu. Mais vous voyez qu'on a quand même une capacité que de 190. Donc je pense que la solution, ça va plutôt être de rajouter des trains. Ou alors mettre des trains plus du coup type TER. Vous voyez comme on a là, bah, le Corail Bourgogne, hein, il a quand même mine de rien beaucoup beaucoup de capacité. Donc déjà du coup ça veut dire faudrait toi, on te remplacerait par un Corail type TER. Après quelque chose qu'on peut faire aussi, il y a l'intercité de nuit Paris-Rodez. Et lui qui est plutôt fun, puisque on a... On va mettre une petite 26 000 pour changer d'ailleurs. Voilà. Hop. Lui en fait il est plutôt fun puisque du coup à l'avant on a des voitures passagers. Donc une voiture place assise. Voilà. Et ensuite on... Donc pourquoi je mets des Normandies? Parce qu'en fait il n'y a plus de voitures avec siège inclinable vu qu'elles sont en rénovation. Il y a maintenant du coup des voitures basse Normandie pour ceux qui voyagent en siège inclinable. Du coup on va mettre toi. On va également te mettre une voiture première, une voiture service et une casa. Donc 1, 2, 3, 4. Parfait. Et on va ajouter à ça du coup des voitures intercités. Eh ben oui, les petites voitures intercités. En fait le Paris-Rodez il part toujours avec un intercité pour Brive-la-Gaillarde. Donc on a 4 voitures du train de nuit plus 7 voitures de l'intercité pour Brive-la-Gaillarde. Donc c'est ce qu'on va en fait reproduire ici. Donc pour l'intercité, on va mettre en place du coup la seconde classe 1, 2, 3, 4. Ensuite une voiture fourgon. Et ensuite la première classe. Donc 1, 2. Voilà, ça fait un long train de 308 mètres et en plus ça fait un train, on va dire, RP. Et au moins qui a une capacité de 174, donc c'est pas mal. On remplace pour 42 millions. Ah, du j'ai vendu. Parce que là, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que la ligne déjà commence à être plutôt saturée, alors que la gare de Toulouse est desservie, mais... Il n'y a même pas de transport en commun dans Toulouse, donc il n'y a pas encore d'attractivité en fait au niveau de la ville de Toulouse. Donc vous voyez, c'est pour ça que je prends vraiment pas le problème à la légère et que je veux directement en fait intervenir sur la ligne. Bon, on attend la fin de la série automatique, hein. Et du coup, oui, pour d'ailleurs, je vais vous montrer en attendant, hein, pour la suite vers Tarbes. Donc ensuite, là, la sortie de Toulouse, bah, ça tourne même beaucoup, beaucoup. Et de manière en fait à contourner cette montagne-là. Pour aller du coup en direction de Tarbes qui se situe là-bas. Voilà. Donc on pourrait imaginer une ligne de train nuit Paris-Tarbes. Enfin Paris-Tarbes, n'importe quoi. Vienne du coup Tarbes qui desservirait, bah, enfin qui partirait de Tarbes, qui desservirait Toulouse et qui par exemple serait directe. Donc qui desservirait pas Valenciennes, qui desservirait pas Bordeaux, pas Libourne, qui serait directe du coup jusqu'à Vienne. Oui, ça peut être une solution. Ou alors que la ligne du coup s'arrête par exemple à Toulouse, elle s'arrête à Bordeaux et elle s'arrête par exemple au Havre. Oui, ça peut aussi être quelque chose comme ça. Enfin bref, voilà, y a plusieurs, vraiment plusieurs solutions possibles, multiples.
Voilà, c'est, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de possibilités. Donc, on a remplacé notre train, c'est plutôt cool. Donc, on a notre petite 26 000 qui roule. Avec les corails, du coup, 2 jours. On a notre TER Bourgogne aussi qui roule. D'ailleurs, il faudrait peut-être un petit peu le rénover, le TER Bourgogne. On va le laisser comme il est, hein, mais on veut juste on va le rénover, hein, tout simplement. On va mettre des B11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je crois que c'est un train comme ça, hein, de 9 qu'on avait fait. Bah non, si c'est 9, c'est pas 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bah non, pourquoi si je dis 8 et moi je mets de quoi faire un truc de 9. Voilà, on met une première au milieu et une lock. Donc là, une 7002 en voyage. Parfait. Il y a toujours la même capacité. Parfait. Donc voilà, tout ceci est rénové. Bon, on va laisser comme ça, on verra par rapport à l'exploitation si ça pose problème ou non. J'avais dit du coup à Toulouse qu'on mettrait rapidement en fait des petits bus. Enfin pas du coup des bus pas forcément petits, mais au moins des bus pour desservir bah, du coup toute notre ville. Même peut-être un tram à Toulouse. Je pense que Toulouse, ça va être une ville à tramway. Ouais. Toulouse, ouais, j'y vois bien un petit tram. Donc, pour ce qui est de desservir la ville, comment on va s'y prendre? Et bah, du coup, on a un axe là qui part de la gare et qui descend. Donc, je pense qu'on va plutôt prendre cet axe-là. Ouais, et ensuite, on tournerait par ici. Ça peut être pas mal. Faut voir par contre l'arrêt au niveau de la gare, où est-ce qu'on le place? Donc là, on aurait une rue qui arriverait par là. On va essayer de déjà mettre en place le tram dans cette vidéo. Donc on aurait une rue qui arriverait par là. Comme ceci. Et le tramway, du coup, bah il serait terminus à la gare, je pense. Et ça veut dire que comment on le met terminus? Faut prendre ça. Prendre un type de gare comme ça. Et du coup, touc, touc, touc. Non, du coup, c'est pas celle-ci, c'est les plus grandes qu'il faut. Mais du coup, il n'y aura pas la place entre là et là. Ah, si, il y a la place. Alors, c'est laquelle? Ouais, celle-ci. Donc, on coupe. On casse. On prend la station. On la pivote de manière à être droit. On met tram, 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 tram partout parce qu'on kiffe le tram. Et on place du coup la station. Et ça place la station comme ça, pile devant la gare. Est-ce que pile devant la gare, est-ce que ça pose problème ou non? Configurer. En fait, je pense que on va pas faire comme ça. On va plutôt recasser toi. Là, on va mettre un petit morceau de toi. Et on va essayer de s'aligner par rapport du coup à cette route-là. Et de faire rentrer le tout comme ça. Voilà, là je pense qu'on pourra pas avoir mieux. Ah, si, peut-être un petit peu incliné un cran plus vers la gauche, du coup. Ça peut tendre vers du mieux. Ouais, comme ça. Ouais, bon, on aura jamais mieux, hein, ça sert à rien de se battre. Ça sert à rien de se batailler. Donc, ok, on aurait quelque chose comme ça. Limite, en fait, là, le truc hein, qui est juste devant la gare, c'est quoi? Non, du coup, c'est pas toi, c'est toi. Ouais, c'est toi. Du coup, limite, on peut enlever ça. Et ça fait quelque chose comme ça, et oui, c'est pas plus mal. Donc, ensuite, on va prendre outils. Ah, bah non, j'ai mis dans le mot. Non, c'est bon, mes trams arrivent dans le bon sens. Donc, du coup, on mettrait des rails électriques sur cette section.
Et là ensuite on tournerait à droite. Et on viendrait, hop, à la plage. La plage à Toulouse, ça paraît logique. Donc pour ce qui est des arrêts, du coup mon tram il partirait, comment on va répartir les arrêts? Bonne question. On va partir par les arrêts, on va commencer par les arrêts qui semblent logiques par rapport au développement de la ville. Donc un arrêt là, un arrêt... Ah, en fait, je sais pas si je mets des arrêts très éloignés ou si je fais des arrêts assez proches. Alors, je pense qu'on va plutôt faire des arrêts quand même relativement proches. Donc, un arrêt là. Voilà, là, on est bon par rapport au terme proche. Un là. Toi, on te casse et on te met après la courbe. Et là, pareil, après la courbe, on remet un arrêt ici. Et donc ça ferait notre ligne de tram pour commencer à Toulouse. Voilà, la première ligne de tram de Toulouse, ce serait ça. Parfait. Et on va du coup placer un bâtiment, un dépôt de tram. Qu'on peut placer... Ouais, non, toi c'est pas en montée. Bon, on va placer du coup temporairement ici. Voilà, et on va mettre du coup les trams toulousains. On a qu'à mettre... Ah, on peut mettre des... Ouais, non, on peut mettre des trolleybus, quand même. Donc, on a qu'à mettre... oui, bah, ceux-là, ils sont modernes, ils sont bien. 1, 2, 3. Allez, on met ça en place à Toulouse. Et on va renommer la ligne Toulouse T1. Voilà, c'est parfait. Et du coup, on va terminer la vidéo par un petit cab ride de tramway. Ouais, histoire de bien terminer la vidéo, donc. Est-ce que toi, tu t'arrêtes au premier arrêt? L'Auguste Comte, non. Et toi, tu t'arrêtes du coup au premier arrêt? Parfait, donc on va monter dans le deuxième tram. Ah, il faudrait peut-être baisser un petit peu la vue. Voilà, on sera mieux à hauteur. Voilà, ligne de tram qui sera aussi amenée à se prolonger dans le futur... dans le cas où la ville grandirait, continuerait de s'étendre. Ce qui, j'espère, sera le cas d'ailleurs. Espérons. Du moins, ça ne nous coûte rien d'espérer. Du coup, voilà, on est parti. Premier arrêt. Et ça nous permet là de voir la ville de Toulouse tant qu'elle n'est pas encore développée. On pourra faire le comparatif dans quelques vidéos. Une fois que la ville sera bien, bien développée. Enfin, du moins, j'espère qu'elle va bien, bien se développer. Voilà, le petit arrêt, là, dans la descente. Bon, c'est pas gênant que ce soit dans la descente, hein. La descente est pas très forte. Là, les trams peuvent largement s'y arrêter. Hop. On rejoint la grande route. On peut voir qu'il commence à y avoir du monde qui se déplace. Hein. Voilà, l'arrêt ici au niveau de la zone résidentielle. Voilà, il y a les premiers passagers qui montent. C'est le tram inaugural. Vu que l'autre se rend directement à la gare, j'ai l'impression. Alors là, ici, on a un grand carrefour avec plein de feux. Il faudrait peut-être que je revoie un petit peu les carrefours. Parce que là, il y a trop de feux qui s'enchaînent, je trouve. Beaucoup trop de feux qui s'enchaînent. Là, il y a plein de passagers qui traversent. Sûrement des gens qui vont en direction de l'arrêt de tram. Et on commence du coup à apercevoir la gare. On se rend en direction de la gare. Voilà, bon, il faudrait peut-être partir un jour. Bon là c'est le temps que ça se passe les trams. C'est pour ça que le jeu fait attendre notre tramway ici en station.
Ah zut, ça fait du coup une espèce de petite montée là. Oh, c'est pas bien gênant, mais c'est un petit peu embêtant quand même. Si on avait pu ne pas la voir, ça me sera allé aussi. Et du coup, le petit tram hein, qui rentre ici. Au moins, l'avantage qui est bien, c'est que là, limite, la courbe est continue pour repartir. Donc voilà, en espérant du coup que ça amène un petit peu de passagers à Toulouse. Bon, en tous les cas, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un petit commentaire. On se retrouvera dans les prochaines vidéos pour faire grandir la ville de Toulouse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Salut tout le monde, c'était Léo. À plus.